Bienvenue sur Essai Libre, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui change. Ça sera ni une hybride, ni une électrique, ni une voiture thermique essence ou diesel. Ça va être une voiture au gaz. Bonjour Nadia, bonjour, enchantée. Bonjour, bonjour. Merci de venir là nous parler de la Seat Leon TGI. TGI, tout à fait. Et une parole de proprio féminine. C'est tellement rare, oui. Mon Dieu. Mais pas que, parce qu'il y a monsieur qui est là quand même. Monsieur. Voilà. Yann, enchanté. Oui, bon, oui. Alors on va parler tous les trois et oui. On va vivre ensemble cette matinée pour mettre à l'honneur cette voiture qui marche au gaz. Qui marche au gaz. Parce qu'on parle beaucoup d'électrique, on parle énormément d'électrique, sauf que nous, quand on charge du gaz, on en a pour 5 minutes. La charge électrique, on peut voyager. Nous avons une autonomie maximale sur route, il faut bien dire sur route, de 537 km. Ouais. Hein, bah, c'est pas mal. Hein. Allé, donc c'est pas mal. Rien qu'au gaz. Rien qu'au gaz. On n'a pas utilisé une seule goutte d'essence. Mmh. Donc, sur ville, avec énormément de bouchons, par exemple Paris, on a 360-380 km. En faisant du mix. C'est quand même assez raisonnable. C'est tout à fait correct. Avec 130 chevaux quand même sous le capot. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même une hybride gaz-essence. Il faut expliquer à nos amis la partie technique. Oui. Alors, on a un moteur thermique. Thermique, mais elle ne s'allume qu'au gaz, attention. Elle ne s'allume pas à l'essence du tout. Oui. Hein. Elle vient là en secours, l'essence est en quatre secours. En quatre secours si on n'a plus de gaz. Elle va venir, elle va s'allumer à l'essence uniquement si on descend à moins 10. Là, effectivement, le moteur va s'allumer avec pour l'essence. Chauffer. Pour chauffer. Et après, elle démarre qu'au gaz. Il peut y avoir un amalgame avec le GPL. Gaz de pétrole liquéfié. Quand, on parle aux gens, et j'en parle dans mon entourage, on discute aux gens, ils pensent tous au GPL, mais c'est pas du tout du GPL. Ça n'a rien à voir, parce que le GPL, juste pour dire, c'est que c'est liquide, alors que là, on est vraiment à l'état gazeux. Gazeux, c'est volatile. Voilà. C'est volatile, voilà. Ça n'a rien à voir avec le... Alors, les a priori des gens, c'est dangereux, c'est du gaz, ça explose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le point d'inflammation du gaz, c'est 600 degrés. Ouais. Et le point d'inflammation de l'essence, je crois que c'est 200, 220 ou 200. Ça n'a rien à voir. Alors, s'il y a une fuite sur le réservoir, ça s'échappe. Donc, c'est très volatile. Donc, il n'y a aucun risque d'explosion. C'est vrai que là, on aborde un point tout de suite, oui. Qui est l'a priori des gens. Déjà. En disant, oh, mon Dieu, une voiture au gaz, ça va sauter. Ça va sauter. Bon, voilà, en cas de choc, on peut s'imaginer. Mais qu'est-ce qui se passe en cas de choc, justement? Parce que j'ai vu que les bonbonnes, il y avait une sécurité. Oui. Et le gaz s'échappe. Voilà. Il y a une soupape. Il y a une soupape de sécurité, donc le gaz s'échappe. Donc, comme c'est très volatile, c'est plus léger clair. On n'a aucun parking qui est interdit. Non. Ouais, ça, c'est important parce que les voitures GPL sont parfois interdites au niveau des parkings souterrains et pas là. Finalement, il n'y a rien qui différencie une Seat Leon TGI d'une Seat Leon classique. Rien du tout. Il n'y a absolument rien, si ce n'est que le logo. Voilà, c'est marqué TGI. Alors il n'y a que ça qui peut différencier. C'est discret, pour le coup. Tout à fait, c'est très discret. Ah, si, autre chose, on n'a pas de pot. Enfin, le pot d'échappement n'est pas arrière. Alors. Il est là. Juste là. C'est pas vrai. Il est juste là. C'est énorme. Pour une fois, c'est pas derrière que je vais aller voir parce que je regarde toujours les dessous. Il y a les gimmicks et c'est libre. Alors, on va faire les gimmicks et c'est libre. Je vais donner de moi-même. On va regarder ça. Ouais, je vais y arriver. Ah oui. Tu vois. Alors, attends, parce que la sortie. Ah oui, elle est là vers le bas. Vers le bas. La sortie, elle est là vers le bas, vous voyez. Juste ici. Qu'est-ce qu'on a là, ici, si on regarde par là? Je suis très curieux, mais on va voir la bonbonne en fait. On voit la bonbonne. Ouais, c'est la grosse bonbonne en Kevlar, ce qu'on disait. Attention. Oh, il n'y a pas de Saint-Vérin. Il n'y a pas de Saint-Vérin, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. 1m88. Et pour autant, mais il y a un espace énorme. Énorme. Et puis 1m69 devant, du coup, voilà, ça donne ça. Là, au moins, on se rend compte. Oui. Les gimmicks et c'est libre. Voilà. Ça mousse. Mais ça rejette moins de CO2, de ce que j'ai vu en tout cas. Ah oui, à la base, de toute façon. Moins de NOx, moins de CO2. On est. Alors là, pour une 130 chevaux en 1,5 litre,
Parce qu'il faut, chez le groupe Volkswagen, donc c'est le moteur 1,5 litre. Ouais, 1,5 litre 130 chevaux. 130 chevaux. Ça rejette, si on compare à des véhicules qui sont en essence et qui ont moins de puissance, ça rejette moins de CO2. On est à 96 grammes de CO2. En aux, je me souviens plus, mais je voudrais pas dire de bêtises. Non, mais en tout cas, on est moins qu'un diesel ou un essence. Ah oui, largement. On connaissait les voitures au gaz hein, en Italie, en Allemagne. C'est ce que j'ai découvert, c'est que dans ces pays-là, c'est léger. En Espagne aussi maintenant. Oui, mais en Italie, c'est fréquent, ça date. Ouais, c'est pas d'aujourd'hui. Non, j'ai toujours connu ça. Ouais. Cette voiture est sortie en mars 2019. Voilà, ouais. Nous l'avons réceptionnée en mars 2019. Bon, voilà, vous avez été les premiers, vous étiez convaincus de cette technologie, oui. Et vous avez été les premiers à la commander et à la recevoir en France. En mars 2019. Aujourd'hui, on est en novembre 2019. Et on entend que le réseau s'étend. Enfin, il y a des bonnes nouvelles à ce sujet-là. Total arrive. C'est surtout eux. Après, il faudrait. Alors, pour que ça aille encore plus vite, il faudrait que les centres commerciaux, avec leurs stations aussi, s'y mettent. Et sur la région parisienne, on parle de faire. De transformer les stations existantes. Enfin, les transformer. De rajouter des stations. Multi-énergie. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va arriver dans une station, il y aura de l'électricité, il y aura du gaz, il y aura le diesel, l'éthanol. Voilà, de tout. Et c'est ce qu'on rencontre beaucoup en Italie, d'ailleurs. Multi-énergie, ça veut dire que les grandes entreprises, il faut qu'elles se rassemblent pour créer des stations. Total fait du gaz aussi. Oui. Voilà. Volkswagen est sur le point d'arriver avec l'Apollo. Oui. Ils sont en train de savoir. Polo TGI. Polo TGI. Et Skoda aussi arrive avec peut-être la Scala et la Kamiq. Donc une offre qui va s'étendre parce que le groupe Volkswagen, voit qu'il y a quelque chose à faire. Ils sont multi-énergie en fait. Ils sont multi-énergie depuis longtemps et dans nos pays voisins, ça fonctionne déjà. Ça marche déjà. Donc en France, ils sont arrivés avec la Leon timidement. Je pense que c'est timide. Hein, ouais, parce qu'ils n'en parlent pas. Mais non, je sais. Tu m'as contacté et merci pour parler de ce modèle. Alors, ce n'est pas spécialement pour Seat. Moi, je ne fais pas de pub pour Seat. Non, je sais. Moi, c'est pour faire comprendre au public qu'il n'y a pas que l'électricité, que c'est une galère l'électricité, et qu'à la base, ce n'est pas si propre que ça non plus, il faut être honnête. Et qu'on a une autre alternative et que l'on peut recycler nos déchets pour justement faire rouler nos voitures. Eh ben écoute, c'est impeccable et je trouve que c'est une bonne chose que ça se passe sur Essai Libre, cette petite chose. Oui. Parce que moi, j'aime mettre en avant comme ça des choses qui changent un peu. Oui, et c'est important d'en parler parce que je ne connaissais pas moi-même avant que tu m'écrives. Et là, on en parle ce matin et plus on en parle, plus j'y vois de l'intérêt. Rapport qualité-prix en consommation et en prix, c'est ce qui se fait de moins cher. Mais oui. Qu'on peut regarder, c'est peut-être le coffre et de voir l'amputation des 100 litres. Pour montrer ce que ça représente, 100 litres de moins. 100 litres en moins, parce qu'on a une bonbonne ici. Voilà, la bonbonne, une des bonbonnes de gaz. Je mettrai à l'image une vue coupée de la voiture où on voit les trois bonbonnes. Il y a trois bonbonnes. Donc quand vous remplissez, ça se passe ici en premier lieu. Et il y en a deux derrière, sous le fauteuil. Voilà. Bon. La pompe, de toute façon, elle calcule quand on rentre. Alors voilà. On peut continuer. Oui. Voilà. C'est là que ça se passe. Voici la tétine pour la gaz. Ouais. On rentre notre tétine, on clippe. Et ensuite, quand on appuie sur la pompe, elle commence à lancer, elle calcule. Ouais. La pompe, elle calcule automatiquement. Ouais. Le poids en kilos. Voilà, et elle compresse. Ouais. Elle compresse, alors on entend. Et après, elle balance. Alors. Et ensuite, elle nous dit « end ». Mais on a les mains propres. Il n'y a pas d'odeur et c'est propre. Rapide. Combien de temps on charge 17 kilos 17 kilos, ça nous a pris combien de temps 3-4 minutes. On a aussi, classiquement, pour l'essence, 9 litres. Pour la version essence, effectivement. Par rapport à l'électrique, on gagne du temps. On gagne du temps, on a plus d'autonomie par rapport à l'électricité. On gagne beaucoup de temps par rapport à l'électrique si on prend le temps de recharge. Le temps de recharge de l'électrique, je ne sais pas avec les superchargeurs Tesla, mais en tout cas, c'est pas 5 minutes, hein, clairement. On n'y est pas encore. Le plus important, lorsque l'on achète une voiture de cette énergie-là, il faut se renseigner d'abord l'utilisation que l'on en a. Et les stations qui sont, nous avons l'avantage Île-de-France. Voilà, Île-de-France, d'avoir trois stations autour de chez nous. Bon. Donc, s'il y en a une qui est en panne, on sait qu'on peut aller à l'autre.
D'accord. Voilà. Donc, et en fonction de nos déplacements quotidiens, parce qu'on ne part pas tout le temps en vacances. Par rapport au maillage, il faut se renseigner là-dessus. Voilà. C'est la contrainte. Voilà. Mais le maillage, il se développe de plus en plus. Mmh. Là, pour faire 1000 bornes sur celle-là, il faut deux pleins. Mmh. Mais il faut bien se rendre compte que ces deux pleins, les deux pleins coûtent 40 euros. 20 euros par plein. Tout à fait. 20 euros, on a 17-18 kilos. Voilà. Et on peut rouler 500 bornes. 500. Donc on fait sur 1000 km. Bien le dire, sur route. Sur route. Si on fait que des bouchons, ben effectivement. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Tout véhicule. Non, non, mais c'est intéressant, c'est votre retour, c'est voilà. L'expérience. Oui, 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 ça veut dire que c'est 40 euros. Oui. 1000 bornes. 1000 bornes. 1000 bornes. Bon. Et ça, un voyage, là tu pars en vacances, ah là tu te dis je vais me payer un bon petit restaurant. Ah bah oui, ça vaut le coup. On a divisé nos factures par deux. Par deux. D'essence par deux. Sauf que la seule contrainte que des gens pourraient voir, et ce qui n'est pas vraiment une contrainte à l'heure actuelle, je pense, c'est qu'il faut aller à la pompe. Plus souvent, c'est tout. Par rapport à, bah oui, 55 litres et 19 kilos maximum en hiver que l'on met, c'est pas du tout la même chose. L'empreinte carbone, il faut la voir globalement. C'est ça. Souvent, c'est on fait l'erreur de voir juste dans l'utilisation de la voiture. Avec l'électrique, il y a la fabrication des batteries. Enfin voilà, il faut voir l'empreinte carbone du début jusqu'à recyclage même. Alors que nous, les bonbonnes, de toute façon. Alors, autre chose sur les entretiens, effectivement, alors ça consomme moins d'huile, ça encrasse moins le moteur parce que c'est du gaz. C'est du gaz. L'huile est là, on va bientôt faire le premier entretien. L'huile, elle est comme si elle était neuve. Encrasse-moi le moteur, le gars. Bon, alors c'est maintenant qu'on en parle, on va aller voir le compartiment moteur. Oui. 1,5 litre, 130 chevaux, essence. 130 chevaux, essence. Mais du coup. Transformé en TGI. C'est une transformation qu'ils ont. C'est pas un moteur d'origine gaz. C'est une transformation qu'ils ont faite. Donc de base, c'est un moteur essence qui est transformé au gaz, pour fonctionner au gaz. Ouais. Principalement. Maintenant, je sais que dans les tuyaux Volkswagen et plusieurs constructeurs se mettent sur cette technologie pour faire vraiment un vrai moteur gaz. Que gaz. Que gaz. Que gaz. Et là, apparemment, ils sont à. Nous, on est à 3,4 kg au 100 et ils seraient à 2 kg. Eh oui, oh là là, mais alors, en plus, si les consommations sont basses, l'économie va être. Si on fait un moteur vraiment adapté que pour le gaz. Mais c'est-à-dire qu'il suffit de mettre la R&D, les recherches, voilà. Et de mettre un peu de moyens là-dedans, et puis. Parce qu'il y a de l'intérêt quand même. Ah, la propreté de l'huile. Voilà. La transparence. On est quasiment à 15 000 km. Voilà, là, on est quasiment à 15 000 km. Et l'huile, elle est. Regardez. Ah ouais. L'huile, elle est comme neuve. Elle est comme neuve. Elle n'est pas noire et du nous, tout. Et nous, ça nous a surpris, vraiment. Ah ouais, parce que par rapport aux autres moteurs, dans les tuyauteries, entre ils passent de l'essence ou ils passent du gaz, c'est complètement différent. C'est ici que ça se fait. Voilà. Ah, c'est ce petit appareil là, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais bon. Mais ni moi non plus, je ne pourrais pas. Bah oui, non, mais on n'est pas des pros de la technique. Non. Mais en tout cas, ce moteur fonctionne aux deux énergies. Il y a une arrivée au gaz et une arrivée à l'essence et ça bascule automatiquement. D'accord. Alors les pistons apparemment sont un peu plus. Renforcés, oui. D'accord. Le plus gros moteur au gaz qui existe, c'est chez Audi. Ah oui, ah oui. Audi A5 G-tron. C'est G-tron, c'est chez Audi, ça s'appelle comme mais ça. Mais G-tron, c'est vendu en France Non, pas encore. C'est pas en France. Pas en France. Il y a la A3 G-tron et la A5 G-tron. C'est A5, je crois. Et il y a la A4 G-tron break. Ah. Et ils ont 170 chevaux oui. Avec la A5. Là, c'est bonheur. Là, c'est bonheur. Mais en France, ils ne la vendent pas. Moi, je dis, je fais une empreinte carbone beaucoup moins importante que beaucoup. Alors oui, effectivement, ce ne sera pas zéro émission comme les Zoé. Hein. Pas encore. Ah, c'est pas zéro pour émission. Oui, c'est le truc. En tout cas, c'est moins. On ne trouve pas tout le temps du biogaz. Ouais. Alors, on trouve des stations où c'est inscrit bio-GNV. Mais ce n'est pas réellement du bio-GNV. Hein. On peut le dire. Oui, c'est des histoires de certificats. Voilà. On trouvera énormément de bio. Alors, il faut. Voilà. Le bio-GNV, alors, pour expliquer ce que c'est le bio-GNV. En fait, c'est le traitement des déchets ménagers. Ça, c'est génial. Ou agricole. Agricole. Avec ces déchets-là, on crée du méthanisation. Du méthane, du CH4. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ce qu'il y a dans la voiture, ce qui sert à la faire rouler. Ouais. C'est du CH4. Alors, c'est. Et le bio-GNV. Aussi, quand on crée du CH4, on crée un engrais pour les agriculteurs. Tout à fait. Le résidu, c'est la totale. C'est vraiment un recyclage. C'est un recyclage. C'est super. C'est pas d'énergie fossile, non. Comme peut-être le pétrole.
Voilà, tout à fait. Non, non, c'est pas fossile du tout. Il n'y a que le gaz. Bon, là, on roule au gaz naturel les trois quarts du temps, puisque c'est très difficile d'en trouver du biogaz. Pour l'instant, oui. En Île-de-France, maintenant, je sais que en Bretagne, on en trouve. Oui. En province, on en trouve plus facilement qu'en Île-de-France. Mmh. Les déchetteries aussi le font. Certaines déchetteries font et créent du biogaz. D'accord. Donc, avec du biogaz, on pourrait. On peut en faire aussi chez soi. Hein. Faut prendre carrément. Ouais. On pourrait créer son propre carburant. D'avoir des grands bacs dans son jardin. C'est un peu le système du compost. C'est un peu le système du composteur. Il y a un gaz qui à la macération qui est rejeté et on pourrait s'alimenter, chauffer, conduire, faire plein de choses. Voilà. Mais quand on roule au biogaz, est-ce qu'on rejette encore moins de CO2? Oui, c'est ça. Quasiment zéro émission. Carrément. Je ne vais pas dire quasiment. Zéro. Pas zéro. Pas tout à fait. Mais c'est encore mieux. Oui, là, c'est la Seat Leon Excellence. Excellence. Donc c'est le haut de gamme. En finition. On a mis une protection pour nos jantes. Ah oui, parce qu'il ne faut pas que ça s'abîme. Ah oui, ça c'est top. C'est quoi? C'est un plastique. Ouais, dur. Ouais. Qui vient se coller et clipser tout autour de la roue. Après, on coupe parce qu'on reçoit des anneaux. Ah. On coupe et ça se rentre. Ça, alors, on l'a fait chez un garagiste parce que là, il fallait soulever la voiture. Ah oui. Alors, donc, c'est vraiment du plastique dur. C'est pas le. Et si tu racles un trottoir, c'est protégé. Voilà. Tu vois. T'as raclé un trottoir là? Oui, ça se voit. Ah oui, d'accord, je me posais la question justement. Oui, non. T'as l'impression qu'elle ressort un peu, effectivement. C'est pas la jante qui est abîmée, c'est le plastique. T'as mis le plastique autour. Alors, celle-là, c'est des Alloy Gator. Ça s'appelle comme ça. Comment tu dis? Alloy Gator. Ça s'écrit. On en trouve A2LOYGATOR. D'accord. On en trouve chez Amazon. Ah ouais? Les quatre, c'est 90 euros. Mais ce matin, vous êtes venu nous apporter plein de tuyaux, c'est magnifique. Ça a beaucoup d'intérêt, ça se trouve. C'est la preuve, là. Ça protège les jantes, effectivement. En termes de prix, concrètement, combien vous avez payé cette voiture? Concrètement, avec la reprise ou sans la reprise de l'ancienne voiture? Parce qu'il y a de la reprise aussi. Il y a une reprise. Alors, de base, cette voiture est à 27 ou 28 000 euros hors option. C'est 1 000 euros plus cher qu'un diesel. Mais on le retrouve, les 1 000 euros, on le regagne très rapidement. Vous allez gagner rapidement avec le prix au plein à 20 euros le plein. Donc on le récupérera rapidement. Et je pense que même maintenant, c'est peut-être même au même prix que le diesel. À motorisation équivalente, bien sûr. Et par rapport à l'électrique, ça n'a rien à voir. Parce que l'électrique, il faut multiplier par deux. Hein. Exactement. Maintenant, il nous reste un truc à faire. C'est qu'on va aller rouler ensemble. Alors Nadia, une parole de proprio féminine, ça me fait plaisir. C'est génial, c'est bien d'être venue. Mais en plus, elle aime sa voiture, vraiment. J'ai toujours aimé mes voitures, mais alors celle-ci, c'est... Mais alors justement, ce qui m'intéresse moi aussi de savoir, c'est une parole de proprio féminine, d'où te vient la passion de l'auto? Ça a commencé comment et quand? Mon père conduisait tout le temps, j'étais toujours derrière lui. Ah. Et je me disais, quand je serai grande, je vais conduire. Oui. Alors je me posais toujours la question, mais pour l'histoire du clignotant, parce que... Comment ça marche? Je ne saurais jamais, jamais. Et puis j'ai passé mon permis et j'ai eu ma première auto, la 205. C'était un bonheur de la... Une Peugeot 205? Ma Peugeot Angelina, je l'ai appelée. Angelina. C'était une super voiture, vraiment. C'était quoi comme 205? Une 205, elle était diesel, c'était la... Turbonée? Non, elle n'était pas turbo. Une 1.9 diesel, mais c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai toujours aimé les voitures, en fait. Ouais. Les belles voitures, comme tout le monde. Les Lamborghini, tout ça. J'habitais à Saint-Ouen, je voyais des Lamborghini, la porte qui s'ouvre papillon, c'est magique. Le bruit, le ronronnement. Mais de conduire une voiture, c'est un plaisir pour moi. Mais vraiment, écoute, c'est bien. Tu l'aimes ta voiture, c'est super, mais est-ce que tu lui vois un défaut quand même? Le seul défaut que je peux y voir,
Et encore, si on peut appeler ça un défaut, partant de pluie, celle-ci, j'ai vu un petit défaut, j'ai remarqué. Oui. Effectivement, un peu plus de buée sur le niveau. Ah, il y a de la buée qui a du mal à se dégager. Il faut jouer des réglages. Un petit peu au début, mais vraiment. Oui, bon, ça c'est mineur. C'est mineur. Ouais. Je n'ai pas trouvé de défaut. Mais pour le reste, à la sièges, conduite, tout la ça, tu as un bon maintien. J'ai un très bon maintien. Ouais. Seat, en fait, une Seat Leon pourrait être ma voiture. Moi, si, tu vois, j'en essaye, j'en connais, j'en vois. Tu vois, les vitesses, elles les passent tranquilles. Oui, quand tu roules cool avec la DSG. Le gaz, la prochaine révision pour le gaz, c'est au bout de 80 000 km, je crois. Ah bon, hein, Yann, oui. Pour la vérification des bonbonnes, il y a. C'est 80 000 bornes. Ah oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent les bonbonnes? Ils contrôlent l'étanchéité. L'étanchéité. D'accord. Et la bonbonne est assurée pour jusqu'en 40 ans, je crois. 40 ans? Oui. Oui. Non. Si. Est-ce que la voiture durera 40 ans, enfin, ouais. Ah bah moi je la garderai pas 40 ans. Non mais clairement. Et j'en prendrai d'autres à aller sur au GNV. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, et bah c'est le petit pouce bleu vers le haut. Ah oui. Parce que voilà. Ah oui. Nadia, Nadia elle est au taquet. Oui non mais il faut le faire. Il faut que les gens se renseignent. Il faut regarder. Il n'y a pas que l'électricité. C'est vraiment, ça. Vraiment. C'est ça. Il n'y a pas que l'électricité. Il faut qu'en France on le sache. Le maillage se fait de plus en plus. C'est une première. C'est une première pour moi, rouler dans une voiture au gaz. Ah. Il y a un début à tout dans la vie. Hein. Il faut. Il faut essayer. Alors, tu vas nous donner ton impression. Eh ben, on va regarder hein, ce que ça donne. Est-ce que une voiture au gaz, c'est poussif? Est-ce qu'on s'embête au volant d'une voiture au gaz? Mais déjà, les qualités intrinsèques de la voiture, c'est un bon maintien du fauteuil. Oui. Une suspension qui est tout à fait adaptée. Très souple. La tenue de route, bah, c'est du Volkswagen. Alors, voilà, on sent que le ressenti, le toucher de route, il est bon. Oui. Et ça, c'est valable sur une version ST Cupra, mais c'est aussi valable sur celle-ci. Si j'appuie un peu, et voilà. Déjà, à la fois le bruit et le répondant, mais aucune différence. Il n'y a aucune différence. Avec une voiture tout à fait classique. Tout à fait. Tu vois. C'est ça qui est bluffant. Et tu voyages en silence. C'est beaucoup plus silencieux. Parce qu'on entend. On n'entend rien, quoi. Enfin, non, juste, oui, un petit peu de moteur, il faut l'entendre. Oui, bien sûr, mais tu vois, quand tu es à vitesse stabilisée dans les réglementations, voilà, il n'y a aucun problème. Non. Tu as un rendu d'énergie qui est beaucoup plus important avec le gaz. C'est beaucoup plus direct. Oui, c'est rapide. Il y a plus de rendement. Voilà, il y a beaucoup plus de rendement, beaucoup plus de puissance. D'accord. C'est aussi un avantage du gaz. Non. Pas les palettes au volant? Non. Pas sur cette, ils ne la font pas sur cette version. En TGI, ils ne la font pas. On pensait qu'elle y était. Ah ouais. Et j'allais te dire, tu corriges la palette au volant, mais non. J'aurais bien voulu. Mais non, ils ne la font pas sur cette version. Pas sur la TGI, comme pour le cockpit, on ne l'a pas. Bon, bah. Ça viendra dans les prochaines. Mais bon, si tu veux corriger, oui, tu peux le faire. Tu mets à droite et tu passes tes rapports. De toute façon, moi, je le dis souvent. La boîte est tellement bonne que tu n'as pas besoin. Je ne l'utilise pas. Besoin, voilà. Moi, elle le fait toute seule parce qu'elle le fait très bien. Ça n'est pas poussif parce que c'est une voiture au gaz. Ah non, non. Donc, je tamponne. Mais moi, je suis... vous m'avez convaincu. En fait, vraiment. Et c'est factuel, j'essaye. Je suis convaincu. Pour l'économie que ça représente. Oui. Pour l'empreinte carbone avantageuse. Voilà. J'aime le concept du bio-GNV. Avec les ordures ménagères, j'adore. Voilà. C'est vertueux. C'est vertueux. Ah, ce qu'on nous indique, autonomie totale, vous avez 360 km encore en gaz et 110 en essence. En essence. Et on a 470. 470 km. D'autonomie totale. D'ailleurs, oui, vous êtes au plein en fait. On voit sur les deux. Alors, c'est le plein ici, c'est le gaz. C'est le gaz ici, à gauche. Tu vois, c'est plein. Et le plein d'essence est à droite. Ouais. Petite conclusion. Messieurs, dames, merci beaucoup. Vous m'avez convaincu. Eh ben, je suis conquis par la TGI. Eh ben moi, je suis heureux. Vraiment, c'est factuel. Et c'est sécurisé. On n'explose pas avec du gaz. On ouais, peut c'est fumer ça. À côté de sa voiture. Ouais, on peut fumer. Elle n'explose pas. Ouais. On peut aller dans tous les parkings. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas du GPS. Ouais, tu rappelles ça, tu fais bien. Parce que les gens confondent beaucoup dans mon entourage. On l'a constaté. Gaz, pour eux, c'est GPL. Hmm. Ce n'est pas du GPL. C'est... Il ne faut pas faire l'amalgame. C'est du gaz de maison. Si vous avez aimé cette petite vidéo, il convient de faire un petit pouce bleu dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratos. Il n'y a pas de souci. Abonnez-vous. Il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses à voir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, vivez votre passion. C'est bien le plus important. À bientôt, les amis. Ciao.